plaisir pour moi, en tout cas, hein, en tant que maire de cette collectivité. Bien entendu que je reçois au nom de mon conseil municipal et de ma population le président de la République, Emmanuel Macron. Bien entendu, vous comprenez ma joie, puisque aujourd'hui, il non seulement il sera sur notre territoire, mais il sera sur un espace qui nous tient à cœur, parce que c'est un espace où nous avons un certain nombre de pépins, de jeunes porteurs de projets dans le cadre de, je dirais, d'une entreprise innovante en la haute technologie, bien sûr. Et il s'agira pour lui de pouvoir à la fois aujourd'hui entendre ce que nous avons à lui dire, hein, par rapport à un certain nombre de projets que nous avons pour le territoire de la ville de Bemao, toujours dans ce même prolongement de la nouvelle technologie, mais aussi la possibilité aussi pour les chefs d'entreprise qui seront là de pouvoir s'exprimer face au président de la République. Donc pour moi, c'est quelque chose de, en tout cas, de bien pour Bemao. C'est un signal fort. D'ailleurs, je vis ça comme étant un véritable signal pour la ville de Bemao. C'est très symbolique. On est sur Bemao. Poumon économique de la Guadeloupe, c'est vrai. Je dirais quelque part, hein, c'est, quand on regarde bien, on est sur plus de 300 hectares. On est dans Jarry, on est dans une zone d'activité industrielle et commerciale, mais également qui est aujourd'hui un véritable quartier, parce qu'on a une zone résidentielle qui est adossée aussi également. Donc, qui fait vivre, je dirais, toute la Guadeloupe se déverse sur le territoire de Jarry. Donc, bien placé au niveau européen, bien placé au niveau national aussi également, troisième, bien entendu. Donc aujourd'hui, venir ici dans le prolongement de Jarry, parce que nous sommes aux portes de Jarry, hein, cet espace que vous avez ici, nous sommes aux portes de Jarry, avec le projet que nous avons aussi également, le Mont Bernard, qui sera appelé à pouvoir accueillir, bien entendu, un espace HQE, bien entendu, avec toute la haute technologie, l'agro-transformation, également un site qui va accueillir des écoles prépa, école de l'ingénieur, sciences de l'ingénieur, etc., un palais des congrès, etc. Et bien, vous voyez bien que toute cette zone qui se trouve aux portes de Jarry devra pouvoir rayonner non seulement sur le territoire de la ville, mais particulièrement, c'est ce qui nous tient à cœur, bien sûr, tout le reste de la Guadeloupe, parce qu'il ne s'agit pas, quand nous faisons à Bemao, généralement nous ne faisons pas pour nous, nous faisons pour